Et bonjour les amis, c'est le Steph, on se retrouve. Bah en fait j'enchaîne depuis l'épisode précédent, là. En fait j'essaye de faire deux vidéos à la suite en général. Du coup là j'en suis à la deuxième. On a Marco qui est revenu de son petit voyage à l'orphelinat, qui a ramené plein de trucs, plein de bois, c'est génial. Donc il va aller se coucher, il a bien mérité. Ah très faim, il est légèrement malade. Il est où notre cuistot attitré là? Ce n'est pas une bonne journée, oui non mais toi tu te plains tout le temps de manière, on est habitué. Donc ce qu'on va faire c'est déjà faire à bouffer. Et j'ai l'espoir... Ce qu'on va faire... Attendez, hein. On va faire ça. Ce qu'on va faire, oui, à la prochaine nuit, ce que je disais, c'est qu'on va aller chercher de l'eau. Donc là où j'ai massacré... Oh, c'est la merde, hein. Je manquais de bois. Là où j'ai massacré un pauvre vieillard. Qui a faim. Toi t'as faim, ah très faim, à faim, il n'y a que toi qui as faim donc t'y vas. Et toi, a besoin de repos, tu allais te reposer. Et toi t'es... Un marchand, génial. J'ai même pas le temps de parler, il y a trop de trucs qui se passent en même temps là. Alors, qu'est-ce que tu nous vends toi? J'aimerais bien du bois, du feu, voilà, ça c'est bien ça, du feu. Alors, ce qu'on va vendre, déjà, c'est... de l'alcool. J'avais de l'alcool, oui. Regardez. Très bien. Il va nous falloir également des matériaux. Très bien. Tac. Tant qu'on y est, on va continuer. Je vais avoir pas mal de cigarettes. Ah non, même pas, j'en ai plus que deux, donc c'est bien parti. En plus, ça vaut plus trop le coup maintenant. Oui, parce qu'au dernier épisode, on a eu la radio qui nous a expliqué que les cigarettes, ça volait plus. Enfin, il y en avait à nouveau en grosse quantité, donc bah, du coup, tant pis. Qu'est-ce que je vais vendre? De la viande? J'ai du rat qui vient régulièrement. Au final, les matériaux sont plus importants hein, que la viande actuellement. Tac. Allez, on va refiler deux de viande. Avec ça, on va pouvoir s'éclater. Et ça ira. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas notre rat de près là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par améliorer des choses. Toi, t'es en forme, toi? Non, besoin de repos. Non, reste là, toi. Allez, on est prêt. Atelier amélioré. Ça c'est génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qui est présent? On a ces deux là. Marco. Pavel. Marco. Non, reste. Oh là là, mais. Dormez-vous. Elle est où Arika là? Arissa. Ah bah ouais, d'accord. Légèrement malade. Génial. Tu vas aller te reposer aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a de nouveau surtout? Une porte renforcée. Une fois que nous aurons barricadé les trous et les fenêtres du refuge avec des planches, nous pourrons envisager de renforcer la porte et d'utiliser un système d'alarme simple. Oui, pour l'instant on n'est pas trop embêté pour être franc. Distillateur d'alcool. Distillateur. Ah, regardez, ça c'est pas mal. Mixeur, thermorégulateur et lampe à chaleur. Donc on va faire une lampe à chaleur, ça nous permet de fabriquer des plantes. Allez, fabrique ça. Et on devrait pouvoir améliorer du coup ceci. Et on va aller voir si c'est possible en fait, déjà, ce qu'il nous faut. J'aimerais bien faire vite avant que lui se barre.
Allez, dépêche. La lampe à chaleur, on y va. Tiens, vas-y, monte. Toi, tu vas aller parler au gars. Hop, hop, hop. Bon, je fais pas encore le chauffage, hein. On est à 17 degrés, ça bouge pas. Je pense que le jour où j'en aurai besoin, je saurai le faire. T'es gentil, c'est là que je veux que tu ailles. Oui, alors ça j'ai. D'accord, donc il va me falloir des composants et une pièce. Un bon paquet de composants d'ailleurs. Donc on va en acheter. On va vendre ça. Il nous faut une pièce déjà. Et pas des composants, des matériaux. Et des matériaux, j'aurais pas assez. Il en a pas assez, le coco. On va faire ça. Je pense que ça vaut le coup. On lui a vidé son stock, donc c'est bien. Toi, je suppose que t'as pas du tout assez. Non, c'est des composants, hein. Bois, composants, ils les appellent pas pareil. Bien. Bon, bah, je pense qu'on va en rester là pour ici. A mal dormi, donc tu vas aller te coucher. Et je pense qu'on va y aller. Terminer la journée, on va aller chercher de l'eau. Donc ça va être une nuit très très rapide. Toi, tu dors dans un lit. Toi, afin et triste, t'as mal dormi, afin et triste. Donc tu dors dans un lit. Marco, est-ce que c'était pas lui qui était parti la nuit dernière? Pavel. Allez, c'est parti. Et oui, je suppose que c'est toujours les mêmes problèmes. Donc on va retourner, c'était où? À la maison calme. Sans rien. Il reste que la mamie. Et on va pouvoir finir de lui voler tout ce qu'on a commencé à lui voler. Et que j'avais entreposé ici. Voilà. Hop, et voilà, allez, on se casse, discrètement, tout va bien. Jour 20 les amis. C'est impressionnant jour 20. Bon, il s'est rien passé, c'est génial. J'ai gagné donc 12 d'eau, encore des médocs pour faire du troc, du sucre, ça c'est cool aussi, ça se troque pas mal. Des choses, bon c'est bien. Donc, ce qui sera intéressant, alors déjà comme d'habitude, ah ils ont tous très faim, alors déjà on a ça. Donc on a notre pote qui va aller faire la cuisine pour tout le monde. Je crois que j'avais acheté du feu au dernier épisode, que j'ai pas utilisé. Est-ce qu'on a... Ouais, on a ça, ça c'est cool. On a du rat qui est arrivé. Est-ce que j'ai du feu? J'ai plein de feu, j'ai tout ça, d'eau... Bon, on va tout faire, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, donc. Allez, on fabrique à bouffer. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait déjà d'écouter un peu la radio. La famine et la maladie règnent sur la ville, bon ça on connaît, et on connaît, rien de neuf. Ça dit juste que les cigarettes ne font plus la loi, légèrement malade. Toi tu vas aller te soigner et te coucher. Toi, ta faim était triste donc tu vas probablement partir la prochaine fois. Pas très faim, besoin de repos.
Tac, on met une tomate. Et tu vas aller te soigner. Très bien. À très fin, bah mange. Et il va aller se coucher, notre ami Pavle. Pavle c'est fait, elle a faim donc elle va rien faire. Lui il a très faim, Marco, donc il va aller manger et il a besoin de repos. Bon, pour l'instant on fait, oui bon, voilà, c'est gentil, hein, c'est... Il faut les nourrir les cocos, on est dans les Sims. Toi, enfin il est en train de fumer sa clope, donc on va le laisser faire. Et toi, bah tu vas aller voir un petit peu ce qu'on peut faire, on sait jamais. Du genre, est-ce qu'on peut améliorer ça? Oula, non. Oh la vache, 40. En même temps, c'est niveau 3. Il faut un mixeur. Ce qu'on peut faire, c'est un mixeur. Ça, on peut le faire. Et ce qu'on va voir, c'est si on peut faire aussi de quoi scier. Parce qu'on a des endroits qu'on a laissés. Qu'on peut ouvrir uniquement grâce au scie. Je pense à l'école abandonnée et le... où est-ce qu'il y avait ça aussi? Ah, il y avait un autre endroit. Je parviens plus à me rappeler. Ils ont besoin de nourriture, on est pété de nourriture, t'inquiète pas. Alors on va faire ça. En faire deux. On n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal parce que mine de rien, grâce aux marchands, on a tellement de choses qui valent de l'argent. En fait, on s'en sort pas si mal. Toi, est-ce que tu peux faire des cigarettes, tiens? Parce que je crois qu'on est un petit peu léger en cigarettes. Oh, on en a 3. On va quand même jeter un œil. Je sais plus si c'est là ou si c'est à côté. Non, c'est à côté. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Cigarette. Il peut en faire 2. 2 fois 6, je crois. Hein. On avait 4. Bon, on s'en fout. Allez, toi c'est bon. Dernière chose que je voudrais vérifier, c'est ici. Je voudrais savoir si je peux faire des distilleries. Oh oui, regardez, c'est ça que je voulais faire. Alors, non, on peut faire de l'alcool. Et ici, on peut faire quoi? De l'alcool de plus haute qualité. On va partir sur l'alcool de basse qualité, hein, pour l'instant. Tenez, on va le mettre ça là, par exemple. Allez, Arissa. Fabrique de l'alcool. -6 degrés. Oh là là! Arrête! Arrête, arrête. Il fait 6 degrés, les amis. Il faut du chauffage. Oh, il faut du chauffage. J'ai pas assez. Oh, j'avais assez, je crois. 5, 6, 7. Non, j'avais pas assez tout à l'heure. Bon. On fait rien. Il nous faut des composants, absolument. Absolument. Il fait froid. On termine la journée. Il nous en faut 3. Ça va pas être dur. On a tout visité. Donc comme prévu, on va faire partir Arissa, là. Tac. Afin est légèrement malade, il dort, lui. Afin est triste. Bon, bah lui, il va dormir parce qu'il est parti la nuit dernière. Toi, tu vas monter la garde. Et on va partir... Alors, il y avait l'école bombardée. Il y avait un autre endroit où il y avait... On a des pièces. Des médicaments. Hmm.
l'hôpital, non. Ça, on a tout fait, la maison calme. Ça aussi, l'école bombardée, qu'est-ce qui reste? La nourriture, des médicaments, des matériaux. Quelques matériaux. Mais la maison close. Quelques pièces, armes, médicaments. Je sais pas là. Beaucoup de pièces. Bon, je pense qu'on va partir par là. Parce que là, le problème, c'est que j'ai bien ma scie, effectivement. J'ai une pièce avec où je vais pouvoir utiliser ma scie, mais je crois que derrière. Je crois que derrière, il y a que des médocs. Ah, on est passé de 17 degrés à 6 degrés, je suis dégoûté. Maison close, je risque de me faire poursuivre. Allez, on va tenter. Du coup, la maison close, j'ai pas besoin de grand chose. Putain, j'aurais dû préparer un outil de crochetage, j'en ai pas. On va prendre un couteau. S'il y a de l'échange à faire, j'échangerai le couteau. Allez, c'est parti. La maison close, je vous rappelle qu'on s'était fait poursuivre. Parce que j'avais mal joué, en fait. J'avais pas lu qu'on me disait de partir. Et du coup, on m'aimait pas trop, quoi. Allez, on va essayer de voir si on m'aime bien. Bonjour. Ça va? Je peux passer? Ok, on monte. Ça a l'air d'aller. On va ouvrir. Allez, on ferme la porte et on vole gentiment ce qu'il y a dans le lit. On en est arrivé à un point où ça dérange plus de voler. Oh si, ça on s'en fout à la limite. On va pas voler ça. Je le prendrai si jamais j'ai pas le choix, que j'ai rien d'autre à prendre. On ferme la porte. Pareil ici. Là il y a un truc en haut. Bon, on va voler pendant qu'on est là. Ah, ça c'est utile. Si on se fait tirer dessus, les bandages, ce sera vital. Allez, on passe. Ok. Tranquillement. Oh oui, allez, on ferme. Alors, il y a quoi à prendre là-dedans? Oh, yes! Il y aura peut-être des matériaux, là. Ah, il n'y en a pas. On a beaucoup d'étages à faire, mais on n'est pas descendu encore. Ici, il n'y a personne. Il fait quoi, le gars? Il part. C'est bon, il monte. Tout va bien, on peut piquer dans la caisse. Ok, c'est pas ce que je veux. Hein. Là, c'est la sortie, donc on va y aller. Du balai, d'accord. Désolé. Tu m'en veux, mec? J'ai rien fait! Hop! Quelle heure il est?
On a encore un peu de temps, j'ai toujours pas de matériaux. Non mais oh. Je t'en prie. Allez, on se casse. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Oh putain! Allez. Ah, des blessures. Ok. Ok. Donc là, c'était pas terrible. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Alors, Marco a l'air de ne pas avoir dormi de la nuit, quelque chose doit le perturber, bah sans blague. Ensuite, Arissa a cherché des provisions et a ramené des choses intéressantes, et Pavle, semblerait que Pavle commence à se sentir mal. Les amis, on va se laisser sur ces bonnes nouvelles. Oh, c'est la merde, à des blessures, à très faim. Bon, et légèrement malade. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Je pense qu'on s'approche de la fin du let's play. Hein. Allez, allez, bye, merci de me suivre. Bientôt. Je joue à ça, moi, là. Il y a des jeux vachement plus sympas, hein. Non. Oh. L'intérêt, ça va être la même chose, là. Ah, bah oui, hein. Bah oui, on va aller au grenier. Après tout, pourquoi pas. En plus, je pense que je suis enfermé dans ma propre folie, en fait. C'est même pas comme si on pouvait essayer de fuir.